Excel la fonction date. Nous avons vu dans une vidéo précédente comment, à partir d'une date, 6 février 2022, extraire le jour avec la fonction égale jour de A2, la fonction mois égale mois de A2 et la fonction année égale année de A2. On découpe ainsi une date avec son quantième, son mois et son année. Nous avons donc des chiffres 6, 2 et 2022 qui ne sont absolument pas liés. Il peut arriver qu'on ait envie de retrouver une date à partir d'éléments divers et variés. Par exemple, si à partir du 6, du 2 et de 2022, je veux refabriquer la date 6 février 2022, nous avons la fonction date égale date qui va permettre de récupérer des parties et de reconstruire une date. Donc là, je récupère l'année, point virgule, puis le mois, point virgule, puis le jour. Je ferme la parenthèse et je valide. Et je retrouve bien 6 février 2022, c'est une date. C'est-à-dire que si j'ajoute à cette date 30 jours, je fais égal 6 février plus 30. On passe bien au 8 mars, donc on a bien eu une gestion de la date, puisqu'il a détecté que le mois contenait 28 jours, et après février, qu'il s'agissait du mois de mars. Cette fonction date permet aussi de se déplacer, de décaler des informations. Par exemple, je suis le 6 février 2022, je pourrais très bien dire que j'aimerais aller au 15 du mois suivant, c'est-à-dire le 15 mars 2022. Et bien, pour cela, il suffit de faire égal date, de reprendre les informations que l'on a ici, ou alors directement de prendre les informations de cette date qui est reconstituée. Donc je vais récupérer mon année, donc année de cette cellule, donc il va sortir 2022, point virgule. Pour le mois, j'ai dit le 15 du mois suivant, donc du coup à la place de février, je veux mars, donc j'ai déjà récupéré le mois ici, de cette date, auquel je vais ajouter un mois. Donc à la place de février, on aura mars. Et enfin, pour le jour, je me fiche du jour qui est contenu dans cette date. Ce que je veux, c'est qu'il aille au 15 du mois suivant. Donc je tape 15. Je valide, je ferme, et je me retrouve bien du 6 février au 15 mars 2022. Imaginez par exemple que maintenant, je veuille aller à l'année prochaine. Même principe. À la place du 6 février 2022, je veux 6 février 2023. Je vais faire égal date. Ouvrez la parenthèse. Je récupère l'année de cette date. Plus 1. Donc 2022, je passe à 2023. Je récupère le mois de cette date. Je récupère le jour de cette date. Ah, il n'a pas récupéré. Voilà. Et je ferme ma parenthèse. Et on se retrouve bien au 6 février 2023.